On a parlé d'espoir. Et Laurence, que normalement Axel, nous a rejoint, bien sûr. Axel Kahn, que je retrouve avec plaisir, qui pendant des années est venu sur ce plateau nous expliquer en quoi consistaient ces maladies, nous expliquer la génétique. Citez-nous, Axel, à vos yeux, quel est le progrès le plus emblématique de ces 25 ans de Téléthon? Alors, c'est pas facile, on vous demande un exercice impossible en quelques mots seulement. Oh, je voudrais en citer trois. Le premier, c'est effectivement la première carte du génome. C'est ça qui a lancé toute l'aventure. Le deuxième grand progrès, tout de même, c'est les premières démonstrations que la thérapie génique était efficace. Et le troisième grand progrès, c'est le moment à partir duquel bien connaître les maladies a permis d'utiliser des médicaments pour atténuer les symptômes. Une autre stratégie d'amélioration et d'arrêt vraiment de l'évolution du mal. Ça, c'était formidable. Non seulement ils sont brillants, mais en plus, ce sont des bêtes de télé parce qu'ils savent faire court en étant concret et efficace. C'est ce que le professeur France Le Thur va faire.